Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Sierra. Alors, c'est un jeu de Pierre Buty illustré par Audrey McCarguy. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu édité chez Blum et vous allez voir que dans ce jeu, il y a différentes façons de jouer. Vous allez pouvoir jouer chacun pour soi en mode compétitif ou alors en équipe. Ou alors vous allez pouvoir jouer même en solo. Dans le jeu, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Tout d'abord, on va trouver le mode campagne. Vous voyez, ce sont ces cartes-là. Elles sont numérotées. On vous dit de commencer d'abord par la 1. Si vous y arrivez, vous pourrez débloquer la 2 et ainsi de suite. À chaque fois, vous aurez du texte. C'est l'histoire de Pierre et Audrey dans les Andes. Le jeu en est tiré. Et derrière, vous allez avoir un récapitulatif de points en fonction du nombre de points que vous avez. Vous allez marquer des soleils. Et si jamais vous avez 3 soleils, eh bien c'est que vous êtes plutôt très bon. Voilà le principe. Du coup, dans mon mode d'explication, ça va être le mode compétitif. Je ne vais pas expliquer ces cartes, mais vous aurez juste à regarder cette petite partie. Si jamais vous jouez en mode coopératif, vous allez voir qu'il y a ces cartes-là. Elle vous a dit quoi? Eh bien, en fonction du nombre de joueurs dans les équipes, et oui, vous pouvez jouer très bien à 2 contre 3, ça marche, vous allez prendre les cartes en fonction. Si jamais vous êtes une équipe de 3, ben vous allez prendre cette carte-là. Si par contre vous êtes une équipe de 2, ben vous allez pouvoir hop, la retourner et la mettre sur cette face-là. D'accord? Là, c'est pareil, vu qu'on est 1 contre 1, pas besoin de ces cartes-là. Vous allez par contre avoir besoin de ces cartes. Ces cartes-là, ce sont les destinations. Vous avez différentes destinations et vous avez, vous voyez, la face B ou la face A. Ce sont des objectifs, on va dire, personnels. Ça, c'est des objectifs qu'on va cacher, on ne va pas montrer aux autres. C'est pour marquer un petit peu plus de points. Au tout début de la partie, vous choisissez soit vous mettez sur la face B, soit sur la face A. Le principe, c'est que si vous choisissez la face A, eh bien, vous allez distribuer dans ce sens. Pour que bien sûr la face A reste secrète pour chaque joueur. Bien sûr, les joueurs pourront regarder secrètement leur objectif. Là, si on regarde celle-ci, c'est avoir, on va avoir un point par carte rouge, par paire de cartes rouges, et on va avoir un point, vous voyez, ici par maison. Ensuite, vous voyez, j'ai distribué 2 cartes à chaque joueur. Ce sont les cartes paysage, les cartes montagne, qui vont nous permettre de créer notre paysage. Le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points. Comment? Eh bien, en prenant des cartes objectifs. Et les cartes objectifs, vous voyez, il y a tout ça. Donc, on ne va pas tous les regarder, mais on peut en regarder quelques-unes. De toute manière, c'est très explicite et ça fait plaisir. Par exemple, celle-ci, elle nous dit quoi? Je marquerai 5 points par carte entièrement entourée. Bah, vous voyez, celle-ci, elle est entièrement entourée. Je marque 5 points et celle-ci aussi. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le dessin. Tout est bien indiqué, celle-ci ne compte pas parce que vous voyez ici, il en manque une. À chaque fois, tout est détaillé vraiment, ça fait plaisir. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Voilà. Alors, juste avant de vous expliquer comment on joue, je vais vous montrer un petit peu les différentes cartes qu'on pourrait trouver. Dans les cartes qu'on pourrait trouver, on aurait par exemple celle-ci. Alors, vous voyez, il y a différentes couleurs. Et il y a surtout un petit symbole ici. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre de scorer en fonction des objectifs. Par exemple, ici, on a les mammifères. On pourrait avoir les oiseaux. On pourrait avoir la maison. On pourrait avoir les vestiges. Nous avons ici, vous voyez, les rivières. Et vous voyez, d'ailleurs, il y a un petit plus en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de la partie, pour tous les plus 1 que vous avez, ben, ça vous fait un point de victoire supplémentaire. Ici, on a le vent. Ben, pareil. Pour chaque plus 1, ben ça fait des points de victoire. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe la pose. La pose, c'est à chaque fois on aura des cartes en main et on va venir en poser 2. Pour les poses, c'est plutôt simple. On va pouvoir poser une couleur et par-dessus une autre couleur. On pourra décider de mettre une couleur derrière une couleur, d'accord? Par contre, on ne peut pas poser une même couleur sur la même couleur. C'est-à-dire que je ne peux pas poser du jaune sur du jaune. Ça, ce n'est pas possible. Je peux par contre, on imagine, poser du vert ici et venir poser du jaune ici. Ça marche. C'est pareil, on va aussi pouvoir poser du jaune à côté pour former une ligne de jaune, soit avant, soit après.
D'accord. Je ne peux pas faire une ligne avec du vert et après venir mettre du jaune. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas non plus faire de trou. Je ne peux pas venir poser un jaune ici. Je dois forcément soit le mettre avant ou après ma ligne. D'accord. Par contre, je peux tout à fait venir le positionner ici. Je ne peux pas poser le rose ici, enfin le violet, vous comprenez, parce que c'est une ligne de jaune, ni ici, parce que c'est une ligne de verte, ici non plus. Donc, je pourrais le poser ici. Ou par exemple, même décider de le mettre hop, derrière cette carte. Ça, c'est possible. Et la prochaine fois que j'aurai du violet, je pourrais le mettre soit là, soit, vous l'aurez compris, ici par exemple. OK? Voilà le principe de pose. Allez, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Au début, on a donné, donc, je vous ai dit, deux cartes montagne à chaque joueur. Et maintenant, on va commencer un tour de jeu. On va jouer 8 manches. Tout d'abord, tous les joueurs vont prendre, hop, deux cartes supplémentaires dans leurs mains. Et tous les joueurs vont prendre aussi deux cartes objectifs. Tac et tac. Maintenant, le principe, c'est quoi? Chaque joueur va, on va jouer tous en même temps, chaque joueur va un peu analyser ses cartes objectifs, va aussi regarder ce qu'il a en main, hein, parce que ça peut être quand même bien utile. Là, on va dire que je ne vais pas trop réfléchir. Là, c'est par exemple, chaque mammifère vaut un point par symbole différent dans la ligne. OK. Donc, il faudrait que je mette un mammifère, mais il faudrait que je mette des symboles différents. Très bien. Je vais choisir une carte objectif et l'autre, je suis obligé de la défausser. L'autre joueur va faire exactement de même. Il en garde une qui retourne face visible et l'autre, il la défausse. Parmi nos quatre cartes, on doit en jouer que deux, malheureusement. Je vais par exemple décider, ben, je ne sais pas, de jouer celle-ci et celle-là. Les deux cartes qui me restent, je vais les passer à mon voisin de gauche. On imagine que ce joueur a aussi joué, hop, deux cartes. Et lui, bien sûr, va me passer les cartes. Nouveau tour de jeu. Ben, tout simplement, chaque joueur reprend deux cartes paysage. Et bien sûr, chaque joueur va prendre, hop, deux cartes objectifs. Vous l'aurez compris, on va forcément garder un objectif et on va jouer deux cartes et ainsi de suite. Voilà comment ça va se passer. On va faire ça 8 tours. Quand on aura 8 cartes objectifs, c'est la fin de la partie. On va venir compter les points. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer vite fait pour vous montrer comment on compte les points. Allez, c'est parti. Bon, vous avez vu, j'ai été obligé de prendre de la hauteur et là, c'est qu'un seul joueur. Donc, effectivement, il faut quand même prévoir un peu de place. Comment on va compter les points? Ben, on va prendre de quoi noter. Alors, vous inquiétez pas, au début, on se dit, oulala, là là, ça va être compliqué, le comptage des points, on a plein d'objectifs. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Vous avez des doubles colonnes, voire des triples colonnes. Ça, c'est, vous savez, si vous jouez en coopération, si vous êtes trois dans l'équipe ou deux. D'ailleurs, il y a une ligne prévue pour la coopération indiquée ici. Moi, je vais compter les points que de ma part, que pour moi. Donc, on est parti. En premier, on va compter, hop, notre carte destination. Moi, c'était ça. C'était un point toutes les deux cartes vertes et aussi un point par mammifère. J'ai compté mon nombre de cartes et mes mammifères. Ça me fait 4 points. Ensuite, vous voyez ici, c'est le symbole de la rivière et du vent. Ben, vous savez, c'est les plus 1. Vous comptez tous les plus 1 que vous avez. J'ai 8 plus 1. Ensuite, on va s'attaquer maintenant aux cartes objectifs. Celle-ci, la première, c'est quoi? 6 points pour chaque paire de vent. J'ai compté, j'ai 5 paires de vent. Donc, du coup, ça fait 2 paires. 2 fois 6, ça fait 12. Ensuite, on va passer à celle-ci. 1 point pour chaque vestige et chaque maison. J'ai compté, j'en ai 5. Ici, vous voyez, c'est chaque mammifère vaut un point par symbole différent dans sa ligne. Donc là, je regarde, j'ai un mammifère dans cette ligne. Donc je regarde les combien il y a de symboles différents. Là, ça en fait 3. Ensuite, je regarde ici, j'ai un mammifère. Donc ça en fait 4. Et donc, du coup, ça fait 7 points. J'en ai pas d'autres. Ensuite, ici, on me dit quoi? Chaque vestige vaut 3 points s'ils sont adjacents à d'autres vestiges. Alors le problème, c'est que j'ai des vestiges, mais ils ne sont pas adjacents à d'autres vestiges. Vous voyez, ils sont en diagonale. Là, ça ne compte pas sur cette carte. Donc, du coup, j'ai 0 points. Ici, c'est quoi? 3 points par maison. J'ai compté, j'ai 3 maisons. Ça me fait tout simplement 9 points.
Ensuite, ici, c'est un point pour chaque oiseau dans les lignes les plus hautes, dans les deux lignes les plus hautes. Donc, c'est cette ligne jaune et cette ligne rose. Le problème, c'est que je n'ai pas d'oiseau, donc vous l'aurez compris, je n'ai pas de points. Ensuite, nous avons quoi ici? Chaque oiseau vaut 2 points pour chaque oiseau autour de lui. Bon, je n'ai pas d'oiseau à côté d'oiseau, donc pareil, ça me fait 0 point. Et la dernière, c'est quoi? 1 point pour chaque oiseau et pour chaque vestige. Là, j'ai compté, ça me fait 3 points. J'additionne et là, j'ai un total de 48. Celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. Si jamais vous jouez en coopération, vous aurez cette ligne-là à marquer et vous aurez des bonus de plus 5 ou plus 10. Je vous laisserai regarder dans les règles. Voilà, donc vous avez vu, c'est un jeu haut en couleur, ça fait un joli paysage, je trouve. C'est sympa, il y a le mode campagne qui est très cool aussi. On peut jouer donc de 1 à 8 joueurs et ça, c'est quand même sympa. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!